Jusqu'à maintenant, seuls quelques petits sites internet acceptaient ce mode de paiement. Mais cela pourrait changer. D'ici la fin de l'année, cette enseigne de grande distribution réfléchit à la mise en place du paiement en bitcoins dans ses boutiques et sur son site. Cette monnaie virtuelle permet des transactions directes, sans passer par les systèmes bancaires classiques. Mais selon ce spécialiste du marketing, pour Monoprix, il s'agirait surtout d'une très belle opération de communication. Les utilisateurs du Bitcoin, ils sont pour le moment assez peu à l'échelle de la France. On décompte, selon les estimations, quelques dizaines de milliers d'utilisateurs. Donc pour Monoprix, c'est vraiment pas un objectif de faire du chiffre d'affaires. C'est surtout d'être précurseur, d'être dans l'innovation. En effet, lorsque l'on demande aux premiers concernés, les clients ne semblent pas tout à fait convaincus. Est-ce que vous connaissez les Bitcoins ? Les Bitcoins ? Non, pas du tout. Oui, oui. Enfin, faut que je me renseigne encore, mais je... Pourquoi pas, je ne connais pas vraiment les détails. Monnaie par internet en fait, ça s'échange sur le net. Moi-même je suis comptable donc ça fait un peu bizarre quand même. Le vrai défi pour l'enseigne sera surtout de faire connaître cette nouvelle monnaie à ses clients.